l'année bientôt finie, c'est cool. C'est vrai que ce fut une année riche en expérience quand même. Ouais, et du coup il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Choisir où on va partir en vacances. Il y a vraiment ça qui t'intéresse quand même. Hein. En même temps, après l'année qu'on a passée, je pense qu'on a droit à un peu de repos et du coup il faut trouver un endroit où se ressourcer. C'est vrai qu'elle a pas tort quand même. Eh bien soit, j'y consens. Allez, qui veut choisir? Moi, moi je veux, moi je veux. Vas-y, fais-toi plaisir. Oui. Demoiselle, demoiselle, en quelle année sommes-nous? En 2017. Hein, diantre, je savais que ces livres d'or étaient de mauvais augure. Mais de quoi vous parlez? Puis vous êtes qui d'abord? On me nomme bibliothécaire Godot, jante demoiselle, ravie de vous rencontrer. Encore un taré, putain. J'ai eu la malchance de lire un manuscrit ensorcelé qui, il faut le croire, m'a fait voyager par-delà le temps. Le métier de bibliothécaire est, ma foi, très difficile. Regardez. Ah ouais, si vous le dites. Et sinon, c'est ça un livre d'heures? Qu'est-ce que c'est, en fait? La minute explicative, avec Neve. Un livre d'heures est l'équivalent du bréviaire des prêtres, mais pour tout le monde. Pour faire simple, c'est un livre qui récapitule les rites et prières qu'on doit faire dans la journée, selon l'heure. Il comprend aussi des psaumes, souvent pénitentiels d'ailleurs, des extraits de Cantiques des Cantiques, des évangiles importants et quelques offices, ainsi qu'un calendrier. C'est un objet très courant au Moyen-Âge que les plus riches se faisaient faire avec minutie depuis le 13e siècle. Les historiens adorent ce genre d'objet parce que c'est une source inépuisable de renseignements sur la vie quotidienne du Moyen-Âge et surtout un puissant fond d'illustration médiévale. Ah d'accord. Il se passe des choses très étranges à cette époque, mais trêve de bavardage. Vous devez m'aider. Non. Suivez-moi. Alors comme ça passe, tu es parti à Grenoble? Ouais. À la bibliothèque d'études et du patrimoine. C'est nuit, y a pas de soleil là-bas. Elle va pas s'ennuyer? Franchement, non, ça avait l'air d'aller, hein. Ouais, non, mais attends. Tu lui laisses deux jours. Deux jours avant qu'elle appelle, qu'elle dise que c'est pas quoi faire et qu'elle veut rentrer. Ouais. Au moins, nous, on sera pas partis, mais on aura bronzé. Ouais. Sérieusement, on était vraiment obligés de courir. Le voilà. Le voilà. Oh, j'adore me sentir écoutée. C'est merveilleux. Merveilleux. Regardez. Il s'agit d'un récit de voyage en Terre Sainte. Tous les croquis ont été réalisés à la main, sur place, et ensuite gravés dans le bois. Tenez, ici, c'est Venise. C'est très joli, hein, mais c'est ça qu'ils doivent vous ramener chez vous? Ah ça? Non. C'est juste un livre que mon père a tenu. Bernadus de Bredenbach. Bon. Ah. D'accord, mais moi, qu'est-ce que je fais là? Au pire, rester en 2017. Comment? Mais vous êtes folle! Je suis bibliothécaire, moi! J'ai des tas de livres dont il faut que je m'occupe! Que vont-ils advenir sans moi? Ce sont des livres! Ils vont pas mourir si vous êtes pas là! Cessez vos ignominies! Je sens que je les faille. Oh, 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 tenez, 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 regardez. Fascinant. Quoi, vous avez jamais vu un Indien de votre vie? Oh, j'en ai marre. Oh là là, tellement de pièces extraordinaires que je pourrais ramener dans ma bibliothèque. Bon, si vous voulez savoir tout ce que vous avez raté, je peux vous conseiller ce livre-là. Venez voir. Tellement de savoir, tellement d'informations. Ça me donne envie de voyager. Je sais, je vais faire une bibliothèque mobile, voyager par le monde pour récupérer les ouvrages, puis... Et puis moi, j'ai pas toute la journée, donc si vous avez pas besoin de moi, je vais y aller. Hein? Pardonnez-moi, pardonnez-moi, je m'égare. Vous devez m'aider absolument. Je dois trouver un ouvrage, mais j'ignore lequel. Je suis sûr que quelqu'un a déjà voyagé dans le temps et connaît la solution pour revenir. Bon, alors on s'y met maintenant, comme ça le plus vite c'est terminé, et plus vite je me barre.
Là, je l'ai trouvé. Oh, il est beau. Bah écoutez, très bien, hein, félicitations. Merci pour votre aide, je vous en suis infiniment reconnaissant. De rien, je suppose. Maintenant, je m'en vais le lire et retourner dans mon époque. Mais pas ici, je risquerais d'être vu. Et qui sait, cela pourrait altérer le cours du temps. Mais moi, je vous ai vu, mais... Ah. Bon, ben au moins ça, c'est fait. Allez. Tout le monde à la chambre. Bah, au moins, Pasto a eu la gentillesse de nous envoyer quelques photos, c'est déjà pas mal. Mmh. Et franchement, ça va, hein, elle a l'air d'avoir vu des jolies choses quand même. Hein. Ouais. Hey. Ce voyage, ça s'est bien passé? Ah non! Ne me parlez plus jamais de voyage! Jamais! Oui, vous avez dit qu'elle allait s'ennuyer.